Machiavellian is Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. C'est bon, on a compris là. Oh là là, il m'a saoulé celui-là. Il m'a saoulé. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a? Jamais être tranquille ici. Que no hay ninguna oferta del Real Madrid. El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta de más de 100 millones más Luka Modric. No hay ninguna oferta del Real Madrid. Al Real Madrid solamente le interesa el fichaje de Mbappé. Solamente Mbappé. Y a Neymar solamente le interesa el Fútbol Club Barcelona. Como digo, el jugador llegará a las filas del equipo Blaugrana en pocos días. En pocos días. El jugador no irá al Madrid. Saludo. Saludo, notre grand ami David Valdearena qui réagit un instant, les potos. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dit, hein, on va traduire. Donc le Real Madrid n'a fait aucune offre pour Neymar, le Real Madrid ne s'intéresse qu'à Mbappé pour l'année prochaine. Neymar veut juste jouer au FC Barcelone et dans quelques jours, il arrivera, même peut-être demain, pour un an avec option d'achat. Donc je ne laisserai que la vidéo que 24 heures parce que je n'aime pas mettre des vidéos sur Instagram. Oh, ce que c'est bizarre ça. Oh, ce que c'est bizarre. Pourquoi tu vas enlever la vidéo au bout de 24 heures? Pourquoi? Si t'es tellement sûr de toi qu'il va signer demain ou dans quelques jours, pourquoi tu vas enlever la vidéo pour que plus personne la voit? Parce qu'on a vu que tu t'es trompé? Parce qu'on a vu que tu es un menteur? Que tu es un mytho? Que tu mens? Que tu inventes comme tes amis, les journaux espagnols? Donc voilà les potos. Par contre, sur certains points, on va quand même être un petit peu gentil avec lui. On est un petit peu quand même d'accord sur certains points, sur le début. Quand il dit que le Real Madrid n'a fait aucune offre pour Neymar officielle, c'est vrai. Que le Real Madrid ne s'intéresse qu'à Mbappé pour l'année prochaine, c'est vrai. Que Neymar veut juste jouer au FC Barcelone, c'est vrai. Mais quand il t'annonce ça, il gâche tout, le gars. Quand il te dit, et dans quelques jours, il arrivera et sera cédé pour un an avec option d'achat. Ah, poteau, c'est pas possible, t'es ridicule. Pourquoi tu enlèves la vidéo dans 24 heures alors? Laisse-la la vidéo, t'es sûr d'avoir raison. T'es sûr d'avoir toujours raison, de toute façon. Tout ce que tu nous as annoncé, c'est du bidon. Tout ce que tu nous as annoncé, c'est du bidon complet. Complet, depuis tous les posts que t'as mis. On va pas se répéter sur tout ce qu'il a dit. Donc voilà, nous, on va vous donner un petit peu les informations qu'on a eues aujourd'hui. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un petit peu. Donc, on sait très bien que le transfert ne se fera pas. Hein. Il pourra dire tous les jours ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, un Sport est soudainement pessimiste hein, pour le transfert de Neymar. Donc eux qui nous ont inventé tout et n'importe quoi pour nous faire croire le transfert de Neymar au FC Barcelone, bah, ils commencent à être pessimistes et à avouer leur défaite. Parce qu'ils savent tellement plus quoi écrire que maintenant ils ont un peu mal à la tête. Hein, quand c'est pas Mundo Deportivo, c'est Sport, mais eux c'est peut-être les rois. Donc Sport est soudainement pessimiste pour le transfert de Neymar au Barça qui serait bloqué par le Paris Saint-Germain. Non, il est bloqué hein, complètement. Donc voilà. Donc Sport a abandonné pour ce jeudi ses annonces autour d'un prêt à option d'achat possible pour l'attaquant de 27 ans du PSG. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'exprimer comment le club parisien a saboté l'opération. Donc ils vont nous expliquer comment Paris a refusé un petit peu de vendre Neymar au Barça. Donc Sport, ils disent, le Barça a mis une condition, qu'il ne paye pas le transfert cet été et que cela se fasse l'an prochain. Le club Blaugrana a déjà fait son grand effort avec Griezmann et ne pouvait pas faire une autre opération de ce calibre. Le PSG a passé un mois et demi à défaire toutes les opérations proposées par le Barça. De l'échange de joueurs au transfert mutuel des joueurs au prêt avec option d'achat obligatoire, bon ça on l'avait dit. Hein. En fait, vendredi dernier, il y a eu une entente sur la dernière option et même le PSG a placé la possibilité que Rakitic soit entré pour baisser le prix final du Brésilien. Le Barça et l'entourage de Neymar étaient convaincus d'avoir atteint leur objectif. Donc apparemment un vilain stratagème de la part du PSG dans le dossier Neymar, hein, à voir. Sauf que le PSG s'est rétracté lundi et a demandé à ce que le transfert soit payé cet été. Le Barça n'a jamais admis être en négociation, mais il a bien travaillé dur pour y arriver, mais le PSG a fait des demandes très exigeantes et très étranges. Le Barça a compris la stratégie du PSG qui a pu avancer la négociation avec le Real Madrid. Il veut montrer aux joueurs qu'il y a des équipes qui s'intéressent plus à lui. Donc Sport n'a vu aucune de ses annonces pleines d'espoir et d'invention. Hein.
se confirmer, alors il était visiblement temps de changer un peu de discours. Voilà. Cela en profitant de la rumeur qui revient d'une négociation entre le Real et le PSG, sans que n'ait été confirmé non plus, loin de là. Donc on peut accorder aux médias espagnols que Paris ne facilite sans doute pas ce dossier, c'est la seule vérité qu'ils disent. Et il a pu refuser des approches, mais ce n'est pas une stratégie particulière, et on doute du fait que les dirigeants parisiens tentent d'embobiner l'attaquant, qui n'est pas idiot non plus, hein, quoique des fois on se pose la question. Tout simplement, Barcelone n'a pas fait une offre satisfaisante, et Paris n'a sans doute jamais envisagé un prêt avec l'option d'achat, ce qu'on peut comprendre. Le club parisien veut de l'argent tout de suite. Comme Sport le souligne, les transferts réalisés par le Barça l'empêchent de faire cette dépense. Il n'y a pas besoin de Sport, hein. On le dit depuis un mois que c'est impossible. Donc le transfert n'avance pas, tout simplement, sans oublier que les joueurs proposés dans un éventuel échange n'ont pas forcément intéressé le PSG. Mais je te rassure, non seulement le PSG, les joueurs que vous avez proposés, ça ne les intéresse pas, mais ces joueurs-là ne sont pas non plus intéressés par le Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas comment tu peux faire pour trouver un terrain d'entente. Il faut être un peu cohérent un petit peu, hein. Donc voilà, donc apparemment une nouvelle offensive va être programmée très bientôt, hein, pour Neymar. Donc voilà, ça va continuer jusqu'au 2 septembre à nous raconter des histoires. Hein. Ça va continuer, quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive, il restera. Donc jusqu'au 2 septembre, ils continueront. Hein. On a vu que Modric aussi a démenti. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ils vont continuer à faire des offres avec des joueurs. Hein. Le Barça préparait une offre au PSG qui inclurait des joueurs. Bah, comme d'habitude, ils ont toujours pas compris, mais ils vont continuer. Donc le but de cette proposition, on va dire, serait de contenter les demandes du club de la capitale qui souhaiterait toujours vendre le Brésilien au Real Madrid. Philippe Coutinho pourrait notamment faire partie des négociations alors que Neymar souhaiterait toujours rejoindre le Barça. Reste à savoir si cette offre sera à la hauteur des prétentions élevées du PSG. Eh ben non, hein. non, je t'explique que non. I don't speak French. 300 millions. Voilà. Tu prends un stylo. Tu prends ton petit chéquier, tu mets 300 millions, Joseph Bartomeu, alors du FC Barcelone, et là on pourra discuter. Donc voilà, on voit qu'Olas a parlé aussi, hein, il a dit que vu les droits TV, comment ils ont été négociés, il faut qu'ils aient des garanties pendant la transfert des nouveaux droits télé, la saison des nouveaux droits télé, que Neymar soit présent, parce que c'est grâce à Neymar que le milliard a été dépassé. Donc le coup fourré du Barça qui se prépare, hein, ils vont continuer de toute façon, hein, ils lâcheront rien. On sait que Messi aussi, Neymar supplie Lionel Messi de faire quelque chose, parce qu'on voit que Bartomeu n'y arrive pas, Cardoner, Abidal n'y arrive pas, le PSG ne veut rien savoir, Leonardo Nasser, le Qatar ne veut rien savoir, parce que c'est le Qatar qui décide aussi, hein. Le Qatar ne veut pas vendre Neymar à Barcelone. Hein. C'est une question d'orgueil et d'éthique, quoi qu'il arrive. Donc ce coup fourré du Barça qui se précise, hein, pour Neymar, qui vont continuer. Donc le Barça aurait demandé à Neymar d'attendre en premier lieu. Donc on vous explique que le Barça aurait demandé à Neymar d'attendre avant d'accepter l'offre du Real, qui concernerait un contrat de 5 ans. Donc Sport, il continue quand même, hein, confirme cette information. Il explique que le Barça avait bel et bien formulé une telle demande à Neymar ainsi qu'à son entourage. Le président Josep Maria Bartomeu est persuadé que la volonté de la star du Paris Saint-Germain de retrouver la Catalogne pourrait faire peser sa décision. Donc apparemment, d'après eux, ils auraient demandé à Neymar et au clan Neymar de faire croire que le Real aurait été intéressé pour que Paris essaye de le vendre, mais alors que Paris Saint-Germain et le Real s'entendent bien. Mais malheureusement, le Real ne veut pas de Neymar cet été. Ils veulent Mbappé, dans un an ou deux, quoi qu'il arrive. Donc on a vu aussi que Luka Modric a déclaré, son entourage a déclaré qu'il n'était pas intéressé au Paris Saint-Germain. Voilà, donc avec tout le respect que j'ai pour Luka Modric, hein. Malheureusement 33 ans, certes ballon d'or l'année dernière, mais voilà, quand t'as 33 ans, t'es en fin de carrière un petit peu, donc c'est compliqué. Donc le camp de Luka Modric a démenti cette information, donc inclus dans le soi-disant deal avec Neymar. Donc Luka Modric a expliqué via son clan qu'il ne comptait pas faire ses valises. Donc le Real Madrid comptait payer 120 millions d'euros tout en incluant Luka Modric, une information une fois de plus démentie par l'entourage du milieu de terrain croate. De son côté, le vice-champion du monde souhaite rester un joueur du Real Madrid la saison prochaine et n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid où il veut y rester. Voilà, donc voilà, il met un vent carrément. Hein. Il n'y a pas d'autre mot à dire. D'ailleurs, désolé pour toi Modric, mais Paris n'était pas intéressé par toi non plus. Donc avec tout le respect que j'ai pour toi, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Oui, sur le cas Messi. Donc Messi, apparemment, Neymar aurait supplié Messi de faire quelque chose dans ce dossier parce que ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il a demandé à Messi? On l'a pas. Modric, attendez, on va retrouver le truc. Ce que je voulais vous dire sur Modric aussi, c'est que apparemment Modric, c'est pour faire du bruit, parce que comme on sait qu'il est Ballon d'Or, voilà, ils vont pas vous proposer Asensio qui est blessé ou Vinicius Junior. Vous voyez ce que je veux dire? Même Navas. À un moment, on avait entendu parler de Navas. Donc voilà. Donc Bartomeu fait une promesse à Messi apparemment, parce que
Neymar aurait eu Messi au téléphone. Neymar aurait dit, s'il te plaît, mon poteau, fais quelque chose. Ça n'avance pas. Léo, il veut rien savoir. Le Qatar, et Nasser ne veut rien savoir. Bartomeu, il n'y arrive pas. Cardona, il n'y arrive pas. Fais quelque chose. Je sais que tu es le patron, tu es le boss. Donc, je suis désolé, hein. Messi, certes, est un très grand joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est un magicien, il a une baguette magique, tout ce qui se transforme avec le ballon, ça se transforme en or. Mais là, je pense qu'il ne pourra pas faire quelque chose, il pourra rien faire. Donc, le Barça tente tout pour convaincre le PSG de faciliter son retour. Et Bartomeu s'y est engagé aussi auprès de Lionel Messi. Donc, l'intervention de Gérard Piqué dans le dossier Neymar suffira-t-elle à faire avancer les négociations? Non. Le défenseur central du PSG a présenté l'attaquant, qui a dit qu'il fallait qu'il sorte du silence, il fallait qu'il parle une fois pour toutes. Donc les dirigeants du Barça ont compris le message et se creusent les méninges pour trouver un arrangement qui convienne à tout le monde, qu'ils ne trouveront pas d'ailleurs. L'hypothèse d'un prêt avec option d'achat obligatoire l'année prochaine ne fait pas son chemin. Donc Sport hein, confirme compte toujours cette tendance dans son édition du jour, en ajoutant que le Barça souhaiterait négocier inclure Ivan Rakitic pour faire baisser le montant de l'opération. Sauf que Ivan Rakitic, Paris, n'y s'intéresse pas, et Rakitic non plus, Paris ne l'intéresse pas, ça va être compliqué. Donc, on a donc compris que tous les moyens sont bons pour avaliser le retour de Neymar au Barça. Il faut dire que Bartomeu s'est personnellement engagé auprès de Léo Messi en lui promettant un heureux dénouement. Donc, Bartomeu est confiant dans le transfert de Neymar, un sujet qu'il mène personnellement de front et qu'il travaille en toute discrétion mais sans relâche. Donc, d'après un journaliste un petit peu plus crédible que Monsieur David Valdearena, Francesc Aguilar, il a promis à Léo Messi de le ramener au Barça et ne veut pas se manquer à sa parole. Même si cela lui coûte grande monnaie, il ne veut pas se rater. Donc ça me fait bien délirer, hein. Ça me fait rire. Qu'est-ce que ça me fait rire? Mais moi cette série, elle me fait délirer. Elle me fait délirer les poteaux. Et en plus, pour relayer encore ce David Valdearena, parce qu'apparemment il n'y a que moi qui s'intéresse, hein. Comme je vous ai expliqué, personne ne s'y intéresse à ces déclarations qu'il dit. D'ailleurs, il va enlever la vidéo dans 24 heures, hein. Je me répète, mais pourquoi tu enlèves la vidéo dans 24 heures si tu es sûr d'avoir raison? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si tu es sûr d'avoir raison, au contraire, tu vas être sollicité, tu vas être applaudi, tu vas être vénéré, tu vas être vénéré, poto, vénéré. Donc voilà, laisse la vidéo. Si tu as les cojones, laisse les vidéos. Donc c'est simple, hein, on va vous expliquer pourquoi vraiment le Real ni le Barça, ce sera pas possible pour les deux, quoi qu'il arrive cet été, on va vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, moi ça me fait rire déjà, parce que pour trouver 120 millions d'euros pour la clause de Griezmann, ils ont été faire la queue devant la banque, devant les banques CTLM dans tout Barcelone. Voilà, donc pour trouver 300 millions pour le transfert de Neymar, moi franchement, je conseille aux touristes français de faire attention, hein, parce que j'ai peur qu'ils viennent braquer les Français ou braquer venir ici à Paris, les banques, pour financer les 300 millions de Neymar, attention, hein. Donc je conseille aux touristes français ou espagnols devant de se rendre chez les Catalans, d'être très vigilants, hein, risque de braquage très élevé, risque de braquage très élevé. Hein. Donc c'est simple, hein, pour trouver 100 millions d'euros, ça va être compliqué, pour 300 millions, excusez-moi. Donc si un club arrive à mettre 300 millions sur la table, hein, retenez bien ce que je dis, hein. Si un club arrive à mettre 300 millions sur la table, ça annonce la fin du fair play financier, hein, la mise à mort du fair play financier, je vous le dis, hein. Le Qatar va mettre plus du budget de l'Espagne sur le mercato 2020, c'est incroyable. Donc s'ils arrivent à mettre 300 millions, le mercato, le fair play financier s'arrêtera et sera définitivement arrêté, hein, je vous dis la vérité. Donc c'est un coup de bluff, hein, comme l'avait dit ma source qui veut pas qu'on le cite, hein, désolé. Donc je pourrais pas vous dire d'où elle vient, j'ai promis, je me suis engagé oralement de ne pas citer son nom. Donc il nous répète comme la dernière fois que je vous avais dit quand il a dit qu'il allait s'excuser Neymar, que c'est un coup de bluff pour une augmentation salariale qui a été très mal maîtrisée par le clan du joueur. Et nous sommes arrivés avec cette situation. C'était pas le but en réalité au départ, le club n'était pas contre. C'est la méthode qui a énervé les dirigeants qataris et le clan Neymar et Neymar, qui est un petit peu susceptible, hein. Donc voilà, donc c'est simple. Ça ne se fera pas. Et ainsi, pour revenir sur les propos, parce qu'on dit que David Valdearena est meilleur que moi. Hein, c'est sûr, c'est un journaliste. Il participe aux conférences de presse du Barça, il prend des photos avec Neymar, Messi, Suarez, Sampaoli, donc voilà. Mais moi, tout ce qu'il a annoncé depuis le début, on va vous le redire. Neymar au Barça contre 4 joueurs. Neymar au Barça contre Coutinho. Neymar au Barça contre Coutinho plus 120 millions d'euros. Neymar au Barça contre Coutinho, plus 70 millions d'euros, plus Semedo, plus Malcolm. Malcolm est parti en Russie, au Zénith Saint-Pétersbourg. Coutinho, plus Dembélé, plus Rakitic, plus 100 millions d'euros. Umtiti, Rakitic, Coutinho, plus une somme d'argent qui n'a pas été évoquée. Neymar à la Juve contre Dybala. Neymar à Manchester United. Neymar au Bayern Munich. Neymar au Barça avec option de prêt d'achat obligatoire. Neymar au Real, Neymar Real contre Modric, donc ça va être quoi la prochaine fois? Qu'est-ce que tu vas nous inventer? Bon après il est un petit peu tôt là, hein, il est 8h15, d'habitude lui il poste des trucs vers les minuit et demi, 1h du matin, hein.
Et moi, ce qui me fait rire dans tout ça, les potos, c'est que le gars, il va enlever la vidéo dans 24 heures. Et ça me pose problème pour soi-disant un gars qui a des informations, parce que lui, il continue à nous dire que il va être cédé demain. Hein. Voilà, donc demain, Neymar va signer au à l'Atlético. Ah, j'ai des bêtises là. Oula, au FC Barcelone. Il nous avait dit avant le 9 août déjà. Donc là, on est le 8 août. Donc on attend. Hein. Peut-être ça va se faire avant minuit, ce que j'en doute. Donc demain, apparemment, ça va signer. Mais ça va signer où, frère? Ça va signer le maillot. Ça va signer les dédicaces. Ouais, il va signer des dédicaces contre le supporter parisien. C'est ça qu'il va faire. C'est ça que t'as hésité. Voilà. Voilà, t'arrives pas à comprendre que Paris veut un chèque. Donc tu prends ton petit stylo là, tu demandes à ton président Josep Bartomeu de prendre un chèque, de mettre 300 millions dessus, à l'ordre du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, et tu fais un petit cœur si tu veux. Voilà, demain il signera pas non plus de nulle part. Dimanche, je pense pas qu'il va jouer, il va être sur le banc, il va peut-être rentrer à 25 minutes de la fin, une demi-heure, voilà, on va voir ça. Donc voilà, à l'heure actuelle, la dure réalité est qu'il n'y a aucune offre à proposer à Neymar. Voilà, aucune officielle. L'international brésilien n'entre pas dans les plans du Real Madrid, surtout pas de Zidane en plus, qui attendent de tout faire pour faire Mbappé. Donc le club espagnol préfère dépenser son argent sur Kylian Mbappé dans un an ou deux, serait même prêt à patienter. Voilà, donc le PSG ne veut pas négocier avec le FC Barcelone. Est-ce que comprendo entiendes? Entiendes comprendo? Voilà, je comprends pas. Ils veulent pas, frère. Donc ça sert à rien d'inventer. Et si tu as les cojones, comme je dis, si tu m'écoutes, ce qui m'étonnerait, mais si tu m'écoutes, pourquoi tu vas effacer la vidéo dans 24 heures? Laisse la vidéo. Laisse la vidéo pour prouver aux gens que t'es un menteur. Parce que si t'es sûr de toi, tu nous assures tous les jours que Neymar va signer au Barça. Donc pourquoi, soi-disant, il aime pas mettre des photos, des vidéos sur Instagram? Et pourquoi il aime mettre des vidéos sur Instagram et pas pourquoi il aime mettre des vidéos sur YouTube et pas sur Instagram? C'est quand même bizarre, les potos. Donc voilà, hein. Donc Leonardo ne lâchera rien, le Qatar c'est lui qui décide. Le Qatar en fait une affaire personnelle dans ce dossier, il faut bien comprendre ça. Donc voilà les potos, donc on va vous laisser sur ça. Voilà, Lionel Messi il est directement impliqué, c'est ça qu'on vous avait dit aussi. Hein. Lionel Messi maintenant c'est la dernière coup de poker pour le Real, pour le Barça, excusez-moi. Voilà, c'est le dernier coup de poker. Donc Messi a parlé avec Bartomeu, donc Neymar aurait appelé Lionel Messi, voilà. Neymar aurait appelé Lionel Messi à l'aide pour qu'il intervienne dans son dossier. Dans cette perspective, bah, le quintuple Ballon d'Or se serait entretenu avec Bartomeu, mais ce dernier n'offrirait qu'un échange de joueurs au PSG, chose qui ne serait pas suffisante. Dans le même temps, l'international brésilien se laisserait se faire désirer par Pérez. Le feuilleton Neymar est donc loin d'être arrivé à son terme. Donc voilà les potos, on va vous laisser quand même pour vous faire plaisir, et pour faire plaisir à Monsieur David Valderrena, parce qu'il me fait tellement de peine. Il est tellement menteur, il est tellement inventeur, que voilà, ça me fait un peu de peine, mais bon. On va pas non plus le plaindre, hein. C'est un journaliste qui est très très bien payé pour ce qu'il dit en plus. En plus, il est content, hein. Il a atteint les 100 000 abonnés, donc je pense que ça va lui faire plaisir. Donc on va vous remettre la fin qu'il a dit, si on retrouve bien sûr, hein. Oui, ça parle, on a fait un groupe, hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, hein. Donc si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on bombarde la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'abandon de Sport, des nouveaux propos de David Valderrena, du fait qu'il va signer demain, de tous ces mensonges. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement. Donc voilà, je vous annonce que Neymar restera au PSG, quoi qu'il arrive. Hein, c'est officiel, hein, c'est officiel, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on vous laisse sur les propos de Monsieur David Valderrena. Et moi, les potos, je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne vidéo surtout, une bonne soirée à tous. À plus tard, les potos. Tchuss à David. Et je vous laisse avec David. Salut les potos! Al Real Madrid solamente le interesa el fichaje de Mbappé, solamente Mbappé. Y a Neymar solamente le interesa el Fútbol Club Barcelona. Como digo, el jugador llegará a las filas del equipo Blaugrana en pocos días. En pocos días. El jugador no irá al Madrid. No irá al Madrid. Never. El jugador vendrá al Barça. Un saludo. Quiero dejar claro. Come with me, Hail Mary, nigga, run quick, see what do we have?